Et bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je joue aujourd'hui contre un joueur du Bangladesh du nom de Mahboub 1686 450 euros. Ok, je prends l'action. J'essaie toujours de galérer, hein. Je suis toujours dans les. Pour reprendre tous mes points que j'ai perdus là. Une mauvaise passe et voilà. Donc. Il a les noirs, il a les blancs. Il joue le coup classique, vous connaissez tous. E4, je joue E5. E4, E5. Je joue, hop. Allez, hop. L'ouverture du roi. La variation des cavaliers. Regardez, allez, voilà. Pour protéger ce pion. Et éventuellement bloquer son carré magique. Il n'y en aura pas. Voilà. Allez. Il sort son cavalier. Hop, pareil, je sors les miens. Voilà, les deux cavaliers sont sortis. Il sort son fou. Il sort son fou pour attaquer là, pour pouvoir roquer, c'est ce que je pense aussi. Moi, j'ai encore un fou à sortir. Je le fais en me mettant ici. Tranquille, pour pouvoir roquer. Toujours roquer le plus rapidement possible. Là, il a reculé son fou. Bon. Ok, prépare un sacou, il visait peut-être ce pion là pour le moment. Mais ça sert pas à grand chose. Allez, je roque. Il a fait la même idée. On a eu la même idée. Ok, jusque là, ça va. Alors là, j'avance ce pion pour protéger mon fou, son protection. Hop, il avance son cavalier dans mon camp. Alors. Que menace-t-il? Ici, ici. Là, il va se faire reprendre. Ah, ici, ce ne sera pas possible. Ici, encore moins. Ah, s'il avait été un peu plus malin, il aurait pu mettre sa reine ici. Schlack. Hop, coup suivant, échec et mat. Ah, ouais. Il aurait fallu que j'avance ce pion ici. S'il avait fait ça, j'aurais avancé le pion là. Voilà. Ouais. Ça aurait pu le faire. Alors, j'avance mon pion pour éloigner cette menace qui n'est pas encore vue, mais je ne l'ai pas vue. Hein. Cette menace pour éloigner son cavalier. Alors, je n'ai pas compris. Boum, il me prend mon pion. Ce camp, il me prend mon pion. Bon, ok, je le prends par la tour. Il me reprend par le fou. Bon, ben voilà, hein. C'était peut-être pas le bon plan, mais bon, allez hop, je le prends. Voilà. Voilà, on est bien avancé là. Alors, ils vont avancer à rien pour fixer. Cavalier, mais ça sert à rien, il est protégé doublement par mon pion et mon roi. Donc ça sert à rien. Ouais, au moins on sait que la reine est là. Et bien j'en profite, j'attaque la reine. Voilà, c'est l'heure de mon fou. Schlack. Voilà. Qui est protégé par mon cavalier, mais c'est une erreur. Et j'ai fait une erreur. Il aurait pas le prendre, peut pas le prendre, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parfait. Jusqu'à là, ça va. Alors il avance un petit peu là, comme ça. Ah! Et là, encore une erreur de débutant. Regardez ça. Paf! Qu'est-ce qu'il a fait là? Pourquoi il s'est mis là? Il a oublié qu'il y avait un fou ici. Eh oui. Ah bah. Ouais. Bon bah, tant pis. Hein. Hop. Et il me répond avec. Même pas. Il aurait pu me reprendre avec le pion là. Non, il l'a pas fait. Ah bon? Il va prendre par le pont à côté. C'est incroyable. Ah non, 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 non. Faut toujours regarder. Mais purée, il y a un truc à prendre, il ne le prend pas. Allez hop. Et voilà. À partir de cet instant-là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai trois pièces principales. 2.
un fou, un cavalier, une reine. Lui, il a juste bah, une tour et un pion. Voilà. Ah là 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 là, c'est pas sérieux. Enfin, voilà. Alors, il avance son pion. Bon, on peut dire carrément, c'est carrément presque foutu, quoi. Mais c'est pas perdu. C'est foutu, mais pas perdu. Allez, hop. Il avance son pion. J'avance mon cavalier pour pouvoir me mettre ici, provoquer un échec. Voilà. Et accessoirement, me prendre son cavalier, me reprendre par son cavalier, je le reprends par le fou. Voilà, c'était le plan. Non, il a choisi me prendre, menacer mon fou. Il a choisi de menacer mon cavalier, mais protégé par mon fou, qui est protégé par ce pion. Donc ça ne va pas grand-chose. Donc, ok. Je tente le coup quand même. Hop. Échec. Il me reprend avec le cavalier. Et je reprends. Voilà. Le pion. Le plan a fonctionné. Ce qui est rare. Hein. Voilà. Il ne reste plus que les deux fous en chien de faïence. Hein, si on se regardait là. Coucou, coucou, coucou. Ça va, ça va, ça va. Est-ce que je le reprends ou pas? Non, il ne le fait pas. Oh, il me menace. Mon fou. On se menace les fous là. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai quand même deux pièces. N'hésitez pas. Un conseil tout simple, quand vous avez plus de pièces que votre adversaire, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas. Ça peut être utile dans les finales. J'ai plus de pions que lui. Ah, on a à peu près le même nombre de pions. 1, 2, 3, 4 pièces principales. 5 bientôt. Allez. Bah, je m'éloigne. Pleutre. Je m'éloigne. Hein. Et on se pion. Mais encore une fois, il oublie un truc. Regardez. Regardez. Il a encore oublié son pion. Son fou là, regardez. Allez hop, même pas. Allez hop, enfin, je m'en fous. J'avance ma dame pour pouvoir l'ouvrir parce qu'elle est ronflée là-bas dans son coin. Il ne le fera pas. Tous les deux, nous sommes protégés par nos pions. Nos fous sont protégés par nos pions. Donc il n'y a pas grand-chose à craindre. Alors on attend. Là, il sent le coup venir. Il se dit, ah, je vais quand même bouger mon roi. Regardez, il a bougé son roi là. Il bouge son roi. Vers moi. Je bouge mon fou pour protéger, pour viser sa tour. Il me prend. Il me menace avec son pion. Encore une fois, mal joué. Qui protège ce pion? Qui ne protège personne? Allez hop. On n'hésite pas. Et là, j'ai une fourchette entre les deux tours. C'est pas vraiment une fourchette, tout le monde peut me reprendre. Alors il réfléchit, c'est cette tour-là ou cette tour-là? Qu'est-ce qu'il va prendre? Voilà, il a choisi celle-là, il me prend menacer. Alors moi, je prends la tour. Je prends son autre tour. Et voilà. J'ai toujours une pièce de plus que lui. N'hésitez pas. Hein. Allez, hop. Bon, ben. J'avance. Madame. En G4 pour pouvoir. Ah oui, avancer, faire l'étranglement, un étranglement tranquille, hein. Mat en deux coups. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez bien. Vous pouvez même faire un arrêt sur le match si vous voulez. Si vous le voyez. Même mieux. Regardez. Je vais me mettre. Peut-être même en trois coups, même. Regardez. La dame. Je le mets ici. Oh, attends-toi. La dame, je le mets ici. Alors, admettons qu'il bouge, il fasse quelque chose de chelou, comme d'habitude. Là, il ne peut pas bouger, il ne peut pas presque rien bouger. Par là, un pion là. Je le prends, je la mets là. Je le prends, il bouge encore un truc. Ah, je mets ma reine ici. Il ne peut pas se mettre ici, il ne pourra pas se mettre ici. Là, il est échec et mat. Mais j'ai choisi quelque chose de plus subtil, un de mes mats préférés. Je vous l'ai dit, le duo de fou reine, si vous avez regardé dans une vidéo que j'ai faite, c'est un duo gagnant. Allez. Alors, j'ai donc fait. Il a donc fait ça. Il a avancé sa tour ici. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà, il peut pratiquement rien faire. Il est pris à la gorge, là. Allez. Et voilà. Le duo. Le baiser de la mort. Schlack. Et voilà. Échec et mat. Deux fautes de débutant, et voilà. Toujours. Regardez ce que fait son adversaire. Toujours. Allez, à plus.